tous. Salut Padawan. Petite nouvelle série de vidéos qu'on va essayer, les tests des matériels. Ouais. J'ai invité un invité que personne connaît, Monsieur Rinagolf, en personne. C'est parce que j'ai pas les lunettes, je suis déguisé. Ah, c'est pour ça. Mais il a son coup de piste, ça c'est sûr. Bien sûr. Voilà. Donc petit test aujourd'hui de deux drivers, le TSI2 et son remplaçant, le TSR2. Donc on va tester ça. Là on est sur le parcours. On va tester donc 4 balles chacun, 2 balles par drive. Ah. Une petite surprise que Rina va me préparer pour la dernière balle. Et après, on ira en boutique au Trackman pour voir ce que ça ressemble. Allez, bonne vidéo à tous. À toutes. Bon bah je vais commencer par l'ancien. Ah oh bah ça va sur le 7 ça. Ah celle-là elle est bien. TSI2, moi j'ai un Kuro Cage de 50 grammes. Allez, on la retrouvera pas celle-là, on va pas la chercher. Qui a pris l'arbre? Bon, pas le provisoire, je l'annonce. Champion du monde. Bah, elle marche mieux la provisoire. Droite du fer, ouais. Alors le nouveau modèle. Alors le nouveau modèle, qu'est-ce qu'on a? On a un Tensei. Un Tensei aussi en 55 en régular pour moi. J'ai l'impression que sur le nouveau modèle, ça va être le Tensei la priorité. Il me disait mon capitaine, tu vois le milieu de fairway? Ouais. Et bah c'est là qu'il faut l'envoyer. Big up à Ben. Eh ben écoute, il a envoyé la même balle que moi, la donc, première. La voilà, on va aller chercher dans les mêmes zones, c'est bien. Ah, la trajectoire. Ah, par contre, la sortie de balle, c'est plus intéressante à mon avis. Ah, celle-là, elle est bien. Ouais, c'est bon. Perso, je trouve que c'est surtout le bruit qui change et le design. Après le reste, ça s'approche et on n'a pas tout à fait les mêmes shafts. Il y a un shaft un peu plus rigide sur le nouveau et un peu plus rigide sur le nouveau. Hazardus sur l'ancien. J'ai une petite préférence comme ça en swingant sur le Tensei. Mais je trouve que ça joue beaucoup sur le design et le bruit. Hein. Le reste, c'est ça. À mon avis, les deux balles là, les deuxièmes bien claquées devraient être proches. On va aller voir ça. Donc voilà, je suis là. Allez, il y a combien de mètres? 3 mètres. Allez, je te le donne. Pour 3 mètres. Allez, mais au milieu du fairway alors que moi je suis sous les bois. Ah. Ça, c'est la différence. Mais bon. Parce que tu disais, ouais, je suis assez d'accord avec toi, que le bruit du deuxième et le look du deuxième est plus agréable. Ouais. Après, je trouve que dans le vol de balle, pour mon cas, elle part de moins haute et un peu plus décollante. Tu vois ce que je veux dire? Et les tiennes de derrière, ça c'est un peu pareil. On verra ça au Trackman, si c'est vrai. Mais en tout cas, premier avis. C'est des bons drives, c'est pas des mauvais drives. Ah bon, qu'est-ce que je fais de mauvais drives depuis le temps quand même. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, nous voilà avec Jonathan. Du c'est coup, ça, chez Corner Golf. Chez Corner Golf. On a testé ces deux nouveaux drivers. Exactement. Enfin, ce nouveau driver. Ouais, exactement, c'est le nouveau Titleist TSR2. Donc là j'ai l'ancien modèle, donc c'est le TSI2, enfin l'ancien modèle c'est la gamme actuelle et là il y a la nouvelle gamme qui vient de sortir qui va remplacer du coup le TSI2. Ok, alors c'est quoi les gros changements? Alors le gros changement déjà c'est le look. Alors ça c'est le point qui a énormément été travaillé. C'est que sur la nouvelle tête TSR2, on peut voir que le look il a vachement changé. On a une tête plus compacte, une tête un peu moins plate et ils ont vachement diminué cet effet courbure sur le dessous du driver. Donc on a vraiment l'aérodynamisme qui a été travaillé, donc vraiment épuré pour vraiment gagner le gain de puissance qui est annoncé. Ça, après, d'autres changements? Donc au niveau changement, il y a aussi du coup au niveau du contact de balle, les smash factors sont plus importants qu'avec le TSI2, avec le nouveau TSR2. Et puis surtout au niveau rendement, on gagne un petit peu. Hein. Donc un peu plus tolérant. Un peu plus tolérant, mais surtout au niveau du contact de balle, ça sort beaucoup plus fort. Ça sort plus fort, ok. Voilà, et ça c'est confirmé parce que vous l'avez testé. On va vous montrer avec ça Luna, juste après. Ouais. On a quelques petits changements sympas. Voilà, au niveau de la gamme,
ça change pas chez Titleist, vous avez toujours un large choix de chartes disponibles à l'essai. Alors lequel te fait rêver? Entre le TSI 2 et le TSR 2, j'ai une préférence pour le TSR 2. Un côté beaucoup plus sobre, tu vois, mais ça, je l'ai dit, c'est typique Titleist de faire des drivers forme de poire, très sobre. Donc au niveau design, j'aime bien, moi, quand il n'y a pas trop de fioritures. Ouais, un point pour TSR 2, alors au design. Ouais, je le trouve aussi plus compact en tête. Tu vois, moins large, je sais pas si on voit, je suis habillé aussi tout noir. Donc l'ancien, il est assez allongé, et le nouveau, il retrouve vraiment la forme classique. Hop. Voilà, pouce pitch, il a passé 3 heures à relever sur les pitchs green du Trackman là-bas au bout, parce que personne n'y va jamais au bout du Trackman. Je suis dans l'obligation de l'avoir, c'est jamais un padawan qui me le demande, et qu'il soit prêt à l'avoir aussi, parce que je l'aurai sur moi en permanence, toujours dans le pantalon. Donc voilà, donc on est en train de choisir les shafts pour notre ami, enfin choisir, on est en train de sélectionner un shaft pour Vina. Voilà, sur on y va cool, tranquille, petit Hazardius 5.5, 60 grammes. Donc ça c'est le Taste 2, c'est la gamme actuelle. Classique. J'aime bien les drivers sans trop de fioritures. En général les Titleist, c'est noir, voilà, un petit peu de rouge de temps en temps. Je sens bien le fouet. Tiens, celle-là elle sera pas en size normalement. Ah c'est le petit fade, allez ça. Ah, je vais garder les lunettes ici. Mais je tue personne. Tout à l'heure, tu m'en as envoyé un. Je pense qu'il n'est pas passé loin. Je garde les lunettes de soleil. C'est pas mal hein, pour une première balle. Je suis loin. Ah, voilà, super. Un bon driver. Hop. Un petit shaft pour Ina. Un Tensei Black. Ouais, Stiff 65. Pas mal ça. Pas mal. Une petite barre à mine. Comment ça va être lourd ça. Mais non. Mais non. Pour toi, ça va. Tiens. Ça c'est le nouveau. Je vais se taper 2-3 balles avec là. J'ai envoyé le même drive au 18 cours. Hein. Celle-là est belle. Normalement, c'est vrai. Elle est belle. Ouais, super. Oh. Allez, swatch de 1,50. Je peux pas faire mieux. Ça va. Que de la distance maintenant. Ouh, celle-là, plus tenue. Petit fail à mon avis quand même. Ah ouais, allez, je sens pas. J'aime déjà mon avis, mais globalement, à part le design, je sens pas plus de différence. Je vous fais le meilleur smash factor, mais... Ouais, bien. J'ai détruit aussi. Ah, je l'avais pas vu. Ah. Le petit drive senti double manteau sous la pluie. Oh, ah. La bâche, c'est pas dans moi, je crois. Ah, là, tu peux te péter parce qu'elle a tapé la bâche de la flotte. Mais t'es pas une bonne merde. T'es pas dans l'eau. T'as des chances de me battre en plus. Oh, il est sympa avec moi. Ah merde, elle ressort. Plus sur le fairway. T'as passé les boules oranges. T'as passé les rouges. C'est les oranges même. Hein. C'est encore voilà, mieux. Donc c'est bon. Bien que je te check quand même là parce que ça fait plaisir d'être sur ta chaîne, Jonathan. Bah, c'est un plaisir, Ina. Bon Jedi, Jonathan. Je t'inviterai avec plaisir à d'autres tests. Moi je suis chaud. J'en ai plein en test et dont quelques-uns qui vont te plaire. Oh, je suis chaud. Allez, à toutes.